Bonsoir à toutes et à tous. Un grand merci de nous rejoindre pour ce nouveau live « Comprendre pour réussir » consacré ce soir au thème « Publicité et transition écologique ». Avant de vous présenter notre invité donc de ce live, Thierry Libard, je vais d'abord donc faire un petit point sur ces lives et vous annoncer, pour ceux qui ne le savent pas, que ces lives sont inscrits dans un nouveau programme lancé en juillet dernier. E-SEGUP, voilà un programme qui a pour objectif donc d'optimiser l'insertion professionnelle des jeunes diplômés des promotions 2018, 2019 et 2020. Un programme donc autour des 7 campus de l'ISEC, donc à Paris, à Lille, à Bordeaux, à Nantes, à Strasbourg, et je ne sais pas si j'en oublie pas un. Et donc voilà, ce programme de l'ISEG, E-SEGUP, se déploie sur 3 piliers, donc les lives que vous suivez depuis le mois de juillet et qui vont durer toute l'année. Il y a également des workshops en team, donc pour renforcer vos compétences, et également un coaching individuel, donc qui sera proposé donc tout au long de l'année, pour augmenter votre confiance et votre performance. Tout ça, bien entendu, dans l'objectif d'améliorer votre insertion professionnelle et de mettre toutes les chances de votre côté dans ce contexte pas évident, on le sait, à cause de la crise liée notamment au Covid. J'ai oublié Lyon et Toulouse, pardon, donc pour les écoles concernées par ce programme. Et puis je rappelle également que tout ce programme fait partie de l'ADN de l'ISEG, qui est donc une école innovante du marketing et de la communication, ouverte aux univers digitaux et au marketing. Voilà. Sans plus attendre, je vous présente Thierry Libard, donc notre invité du jour, qui est président de l'Académie des controverses et membre du Conseil de l'éthique publicitaire. Et surtout, bonsoir Thierry. Surtout auteur de nombreux ouvrages dans la communication, donc Le Communicator, qui est donc un ouvrage que vous avez sans doute tous lu. Et aujourd'hui, on reçoit Thierry pour parler d'un projet très très intéressant et vraiment d'actualité, la publicité et la transition écologique, parce que figurez-vous que Thierry fait partie, enfin est l'un des rapporteurs d'un projet de loi justement pour la publicité et la transition écologique. Voilà. Je vous propose de commencer avec la première question, Thierry. Alors déjà, par rapport à ce projet de loi donc, dont on a beaucoup entendu parler, est-ce que vous pourriez nous rappeler un petit peu le contexte, qu'est-ce qui a fait que vous êtes dit « c'est ma prochaine bataille, faire passer cette loi ». Alors, en fait, on est vraiment sur un sujet qui est essentiel. C'est le rôle de la publicité dans la transition écologique. Parce qu'on sait tous que la publicité a toujours été au cœur de controverses. Moi, j'ai vu que historiquement, quasiment dès l'origine de la publicité était déjà critiquée parce qu'elle nous abêtissait, parce qu'elle défigurait les paysages, etc., etc. Il y a eu une deuxième époque plus rapprochée, qui est au moment du Grenelle de l'environnement. Et en fait, on reprochait à la publicité de nous dire un peu n'importe quoi au niveau environnemental. C'est ce qu'on appelle le greenwashing, c'est-à-dire utiliser de manière abusive des éléments environnementaux pour essayer de verdir sa propre image. Le sujet actuel, il est beaucoup plus récent. Il date de 2-3 ans. Et en fait, il est un peu la suite logique de ce constat que pour réussir la transition écologique, on avait essayé des systèmes économiques, d'économie circulaire, de recyclage, etc. On avait essayé des problèmes de finance, la finance durable, l'investissement socialement responsable. On a essayé de l'innovation. Mais on ne s'est jamais attaqué à ce qui, à mon sens, est peut-être le plus important, c'est ce qui est dans nos têtes. Et ce qui est dans nos têtes, c'est cet imaginaire du bonheur par la consommation que nous donne la publicité. Ce travail, je l'ai fait justement à la suite d'un précédent rapport que j'avais remis au ministre de l'Environnement précédent sur la lutte contre l'obsolescence programmée. Donc vous savez, pour être rapide, mais vous connaissez tous le phénomène, l'obsolescence programmée, c'est la réduction de la durée de vie des produits. C'est ce qui fait que la plupart de vos produits durent de moins en moins longtemps. Et en fait, en travaillant sur ce thème-là, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup, par exemple, des fabricants de smartphones
qui nous disait, mais pourquoi vous voulez qu'on vous fasse des smartphones qui durent 4-5 ans, alors que la durée d'utilisation normale d'un smartphone, elle est inférieure à 2 ans et elle est à peine de 18 mois à Paris pour les 18-24 ans. Donc en fait, c'est tout le sujet de l'obsolescence psychologique, l'obsolescence culturelle, c'est-à-dire le rôle de la publicité. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, il fallait qu'on s'attaque à ce sujet-là, c'est que nous dit la publicité et est-ce qu'on peut réussir justement à lutter contre le dérèglement climatique sans tenir compte de la publicité. Donc à travers le rapport, c'est ce que j'ai essayé de mettre en débat et c'est dans un contexte, comme vous l'avez dit, qui est assez explosif parce que dès la semaine prochaine, il va y avoir mis par le gouvernement la mise en place des tables rondes d'examen des propositions de la Convention citoyenne sur le climat avec une des 8 tables rondes qui sera consacrée à la publicité. Donc on voit que le sujet de la publicité par rapport aux problématiques environnementales, il est vraiment maintenant sur la table. Alors justement, vous qui parlez des annonceurs, d'ailleurs dans votre rapport, vous citez les gros annonceurs tels que Havas, Publicis, qui aujourd'hui font partie des annonceurs des cinq ou six plus gros annonceurs mondiaux. Donc il faut quand même savoir que c'est une véritable économie et que ça va être quand même difficile de tout remettre sur la table comme ça. Des agences, pardon, pas des annonceurs, excusez-moi pour le lapsus. Est-ce que justement, il y a quand même des comportements éthiques responsables? Est-ce que vous auriez des exemples de publicité responsable, d'agences qui quand même ont conscience de l'impact de cette transition écologique, que ce soit en termes de problématiques sur la biodiversité, sur le climat? Oui, alors ça fait partie des bonnes nouvelles, c'est qu'effectivement, il y a une prise de conscience et qu'on a maintenant de bons exemples. Alors côté annonceur, là où c'est peut-être un peu difficile, c'est que les bonnes pratiques, on les retrouve plutôt sur des annonceurs qui n'ont pas eux-mêmes un impact environnemental très fort. C'est-à-dire il faut citer de bons exemples de communication responsable. On peut penser au secteur mutualiste, hein, clairement, Massif, la Camif, etc. On peut penser à des entreprises comme Patagonia. Là, on arrivera vraiment à dire qu'on atteint des publicités responsables quand le secteur énergétique, les constructeurs de véhicules, etc. réussiront eux aussi à se mettre sur cette trajectoire-là. Au niveau des agences, en fait, on peut faire un classement entre trois grandes catégories. Il y a d'abord les grosses, les grandes agences, Havas, Publicis, BETC. Là, clairement, ils ont compris. Alors, après, il faut voir si c'est une prise de conscience écologique ou un intérêt économique bien compris de se mettre dans cette dynamique. C'est un débat dont je ne veux pas m'occuper. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt le résultat. Il y a les agences qui ont fait de la responsabilité sociale une niche pour leur secteur. Donc des entreprises, des agences de communication comme CDS, comme The Good Company, etc., ont fait un axe et ça marche plutôt bien. La difficulté, c'est encore, c'est-à-dire entre les deux, entre les agences qui font un thème et puis les grandes agences, ils ont 60-70% du secteur de la publicité qui doit encore faire son évolution et prendre conscience de son impact. Donc voilà, moi j'ai plutôt l'impression que en tout cas, à la réception de notre rapport, il y a eu cette compréhension. Le sujet est peut-être moins conflictuel qu'à l'origine, parce que les publicitaires ont aussi compris que c'était dans l'intérêt d'aller dans cette nouvelle dynamique. Alors, vous qui êtes l'auteur du mythique ouvrage Le Communicator, est-ce que vous pourriez justement, dans ce contexte, nous dire aujourd'hui quelle différence vous faites entre communication et publicité ? Alors, il faut faire ça en quelques minutes, parce que ça, c'est un cours qui dure 2 heures, hein, normalement, dans nos enseignements. En fait, le moyen le plus simple, si on veut être très vite, c'est simplement de regarder au niveau des dépenses, parce que là, on a des classements qui sont assez clairs. Les dépenses de communication des entreprises en France, c'est 35 milliards, c'est-à-dire le budget, si on voit l'ensemble des budgets des directions de la communication du secteur publicitaire, c'est 35 milliards. Si on donne la définition précise, France Pub, IREP, etc., de la publicité définie comme un achat d'espace, là, on est sur des données qui sont de l'ordre de 15 milliards d'euros par an. Hein, donc, on est sur de l'achat d'espace. J'achète un espace à la télévision, sur le digital, sur les écrans télé, etc.
Ça veut dire que la publicité exclut le marketing, exclut le secteur événementiel, salon, foire, etc., etc. Donc, ça nous donne une définition peut-être plus précise de la publicité, ce qui permet aussi de voir que la publicité, c'est en fait un tiers seulement de l'ensemble des dépenses de communication. Donc, en fait, votre question, elle est super intéressante parce que ça veut dire qu'il ne faut pas non plus se braquer trop sur la définition précise, stricto sensu de la publicité, mais essayer de voir l'ensemble de la communication des entreprises. Et dans les choses qui sont super intéressantes, j'en profite, c'est que quand vous parlez de publicité, en fait, on a tous en tête une vision de la publicité. Je pense que l'ensemble des personnes qui nous écoutent, quand on leur dit le mot publicité, il y a plein d'images. Donc, on voit des écrans télé, on voit des affiches dans la rue, on voit plein de choses. En fait, la grosse difficulté, le sujet vraiment en ce moment, c'est de penser que la publicité, c'est plus ce qui existait il y a 10 ans. Plus de la moitié des dépenses de publicité dans le monde, c'est le digital. C'est-à-dire, c'est plus ces affiches, c'est Facebook, c'est Google, c'est d'autres. Donc, la définition même de la publicité, vous avez cité le communicateur, je vous remercie, dans l'autre ouvrage de base sur la publicité, le Publicitor, la publicité est définie comme un média de masse. Et en fait, la publicité, pour moi, c'est plus du tout un média de masse. C'était défini comme une relation entre un émetteur et un récepteur, c'est plus le cas, parce que maintenant, on joue beaucoup justement avec le numérique sur les influenceurs. Et en fait, l'intérêt fort de la publicité, jusqu'à il y a encore récemment, et j'espère que ça va durer très longtemps, c'était de dire que la publicité, c'était un métier de création. Et en fait, avec le numérique, la publicité devient de plus en plus un métier de gestion de la donnée, et notamment des big data. Donc, on n'est non plus sur un média de masse, on est sur de la segmentation, on est moins sur de la création, et on est plus sur de la donnée, et on est moins dans une relation linéaire, que dans un engagement de communauté et puis des relations basées sur de l'influence. Donc, c'est tout le secteur de la publicité qui est actuellement en turbulence. Donc, ce n'est pas seulement un problème de critique qu'on peut faire sur la publicité dans son rôle social, sociétal, c'est aussi la fonction même qui est actuellement en train d'être totalement reconstruite. Oui, absolument. Et puis d'ailleurs, vous le dites, vous l'écrivez dans le rapport, le problème de la, l'un des enjeux plutôt pour la publicité digitale, c'est notamment toutes ces vidéos qui sont pas du tout nettes au niveau carbone. Enfin voilà, tous ces problèmes liés au contenu justement numérique, dont vous parlez beaucoup dans ce rapport que j'invite celles et ceux qui le souhaitent à lire. Justement, revenons sur la publicité. Qu'est-ce qui fait qu'une publicité aujourd'hui au sens large du coup est responsable? Alors déjà, je vais revenir juste par rapport à ce que vous venez de dire à l'instant en parlant du numérique. Dans l'actualité immédiate, c'était lundi, l'ADEME a publié son bilan annuel de la publicité environnementale. Et dans les choses nouvelles, sur ce bilan, c'est-à-dire ils analysent toutes les publicités environnementales en France et sur tous les secteurs. En fait, ils se sont aperçus que si globalement, c'était plutôt assez bon, même s'il y a une remontée du greenwashing cette année, par contre, sur le digital, il y a un sérieux problème. Si je peux donner un seul chiffre, une vidéo sur deux sur YouTube n'est pas conforme aux recommandations déontologiques de la publicité. Une sur deux. Donc, autant sur les écrans télé, sur la presse, sur la radio, etc., on voit que les normes déontologiques sont respectées. On voit que sur l'espace numérique, il y a encore un gigantesque travail à faire parce que, en fait, l'exemple, vous allez voir, tout ce qui n'est pas conforme, vous pouvez le trouver justement sur le numérique. Alors, qu'est-ce qui fait, parce que ça, c'est vraiment la question de fond. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'on peut dire qu'une publicité est responsable? Alors, la première question que vous avez posée, c'est un peu sur le contexte. Et on disait qu'il y avait une évolution très forte et même très récemment. C'est-à-dire que dans la définition même qu'on pouvait dire d'une publicité responsable, il y a 10 ans, on aurait dit que c'est une publicité conforme aux recommandations de l'autorité de régulation. En fait, maintenant, on est sur totalement autre chose. Parce que ce qu'on définit maintenant comme une publicité responsable, et même plus globalement, une communication responsable, ce n'est pas une communication sur la responsabilité qui serait conforme, qui serait bien faite,
Mais en fait, plus fondamentalement, et ça c'est intéressant pour, notamment pour tous les étudiants qui nous écoutent, c'est en fait une interrogation sur la responsabilité même de la fonction communication face aux grands enjeux de la transition écologique. Donc en fait, ça ramène toute la question du sens. En fait, ce n'est pas une question de message qui serait plus ou moins bien formulée. C'est l'ensemble du processus de communication, l'ensemble du processus de publicité qui doit être réinterrogé. Et donc, pas seulement au niveau des messages, mais par exemple, au niveau de l'éco-socio-conception des supports de communication. Bah, peut-être utiliser plutôt tel ou tel support en fonction de l'empreinte carbone, de l'impact environnemental, du film vidéo ou de l'affiche que vous allez faire ou de tel mode de tournage. C'est la relation entre l'annonceur et puis l'agence de communication. C'est les relations avec les fournisseurs. C'est les aspects sociaux à l'intérieur des agences de publicité. C'est le travail sur les différents formats. Le nombre de personnes, j'imagine, qui ne supportent plus d'avoir des pop-up qui apparaissent à l'écran. Ouais. Donc on voit que voilà, c'est vraiment tout un travail qui ne se réduit pas seulement à la question du « est-ce que je produis un bon message ?». Donc là aussi, on voit qu'on est sur un domaine qui est… Voilà, ça explose et tous les gens qui se lancent dans la communication maintenant ont une chance extraordinaire parce que voilà, ça bouge comme ce n'est pas possible. Oui, ce que vous voulez dire, en fait, c'est que c'est à la fois la forme et le fond qui doivent être remis en cause et évoluer ensemble, finalement. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une question de contenu. On pouvait dire avant que la forme était peut-être moins intéressante. Ben là, on voit, enfin, tous les étudiants qui savent la communication, le médium, c'est messages. Ben, en fait, les supports de communication ont aussi un rôle très important. Puis derrière ça, il y a des questions d'éthique. Le nombre d'appels d'offres qui sont faits simplement pour permettre à l'annonceur de récupérer des bonnes idées ou en sachant pertinemment quelle sera l'agence retenue, ben, ça fait partie des pratiques qui ne sont pas conformes à ce qu'on peut appeler une publicité responsable. J'ai donc une autre question pour vous, Thierry. Quelle est la position de la France aujourd'hui par rapport à ses voisins européens en matière de publicité responsable et donc de transition écologique de la publicité? Alors, si des fois on peut crier un peu victoire et cocorico, ben là on peut. C'est-à-dire que bonne nouvelle. Ouais, allons-y. La France se positionne plutôt très, très bien. Donc moi, dans mes activités, j'ai également un rôle de conseiller au Comité économique social européen. Je représente les organisations de la société civile. Et ça m'a permis de faire un benchmark sur la manière dont étaient organisées les publicités dans les pays, dans les 27 pays de l'Union européenne. Et globalement, on est plutôt très bon. C'est-à-dire que les principes qui ont été actés en France, le contrôle même qui est exercé en France, se tient plutôt très bien par rapport à plein d'autres pays. Alors, pas fâché avec quelques voisins, mais en tout cas, on est plutôt très bon. Après, il faut voir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la régulation publicitaire. C'est-à-dire qu'il y a aussi des pratiques qui peuvent s'effectuer dans certains pays. Alors, pour prendre des exemples, mais qui ne sont pas l'objet d'une régulation, ce sont plutôt des initiatives de médias. Par exemple, en Suède, il y a un journal qui a interdit la publicité pour les énergies fossiles. En Angleterre, un quotidien très important d'information qui est The Guardian, dont je recommande la lecture, a décidé il y a quelques mois également de ne plus accepter les publicités pour les produits polluants, pour le dire vite. Donc on voit aussi qu'en dehors même des initiatives qui peuvent être faites par les pouvoirs publics, il y a également des initiatives dans le domaine médiatique, par exemple, dans d'autres pays. Et en France, par exemple, qu'est-ce qui fait que justement on est plutôt bien positionné? Sur quel domaine on est plutôt bien en avance, ou en tout cas on comprend les enjeux derrière, puisque l'enjeu derrière c'est quand même 2050. Vous pourriez parler de ça aussi? Ouais, et ça c'est vraiment vraiment important. Le sujet, s'il y a un sujet qui est maintenant un peu encadré, c'est celui des dérives majeures de la publicité pour ce qui est d'une incitation trop forte à la consommation. Je vais prendre un exemple pour être très, très concret. En 2018, il y a eu une affaire qui a un peu mis le feu aux poudres, c'est ce qu'on appelle l'affaire Cdiscount. Cdiscount, tout le monde connaît, a fait une publicité au moment des soldes, et les visuels c'était, je caricature pour aller vite, j'ai déjà un ordinateur, ce serait tellement mieux si j'en avais un deuxième. J'ai déjà un téléviseur, mais il pourrait tomber en panne.
Et beaucoup ont considéré que, pour le coup, là, on était vraiment dans une incitation au gaspillage, à l'hyperconsommation. J'en ai déjà, mais tant pis, c'est pas cher, je vais en acheter un autre. Donc, il y a eu une vraie bataille de communication entre les ONG environnementales, l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, et puis le jury de déontologie de la publicité avait trouvé que non, c'était de la publicité, que les gens étaient toujours intelligents et pouvaient comprendre. C'était très loin, parce que le sujet, justement, il a été repris par le gouvernement, il a été inséré dans la loi qui a été publiée en février de cette année, la loi anti-gaspillage et économie circulaire, et dans la nouvelle recommandation de développement durable de l'autorité de régulation professionnelle de la publicité en France, qui est en vigueur depuis le 1er août, donc on voit que c'est très récent, il y a très clairement un dispositif pour interdire ou encadrer très fortement des incitations à l'hyperconsommation. Donc la publicité, son rôle, et c'est normal, la publicité est là pour vendre, mais essayer de faire en sorte que la publicité, si elle peut faire vendre, elle ne peut pas inciter de manière trop outrancière au gaspillage. Et là, désormais en France, on a un dispositif qui est clair et qui est très clairement en avance sur l'ensemble des autres pays européens. Très bien. On a déjà une question de la part d'Elodie. Attendez, je remonte un petit peu. Avec la crise actuelle, les entreprises ne vont-elles pas prendre du retard sur cette responsabilité sociétale des entreprises et ne pas en faire leur priorité? Oui, c'est vrai que c'est une question légitime. Première question, il y en a une deuxième. Comment pourraient-elles faire pour placer au cœur de leur stratégie justement cette responsabilité sociétale? Alors, moi, je connais un peu l'essence de la communication, mais je suis malheureusement pas prophète, et donc je suis incapable de vous dire ce qui va se passer par la suite. Parce qu'en fait, il y a vraiment les deux axes qui se préfigurent. Il y a le fait de dire en période de crise, on va prendre du retard, mais là, tous ceux qui connaissent un peu la communication de crise savent que dans le mot crise, il y a le danger, mais il y a aussi l'opportunité. Et donc, c'est peut-être aussi l'occasion pour beaucoup de se remettre en question pour essayer d'avoir un business model peut-être plus responsable, plus durable. Moi, j'ai plutôt un tempérament optimiste, c'est-à-dire j'ai plutôt l'impression que les gens ont compris qu'il fallait évoluer dans cette direction-là, parce que si ça ne leur donnait pas des profits gigantesques, c'est les assurer en tout cas d'une ligne de conduite durable et peut-être avec moins de risques, avec des productions plus locales, plus durables. Le fait d'avoir une responsabilité sociale dans les entreprises, c'est d'abord quand on analyse les bénéfices, les business models, on s'aperçoit que celles qui sont en avant ne sont pas en retard d'un point de vue économique et financier, mais que surtout, ça leur permet d'avoir une longévité plus forte, parce que dans la cartographie des risques, ça diminue les risques que ces entreprises peuvent prendre. Donc voilà, c'est-à-dire que je ne pense pas que ça soit un retard majeur, je pense qu'il y a une interrogation, il y a beaucoup de dispositifs qui sont là pour inciter les entreprises à prendre la bonne direction. Et puis moi, c'est ce que je voudrais dire aussi, notamment aux étudiants qui nous écoutent, c'est que... Un diplômé, hein. Alors ? Ce sont des jeunes diplômés, Thierry. Les jeunes diplômés, voilà, très, très bien, les jeunes diplômés. Ben voilà, bravo. C'est que d'abord, c'est comme on disait, c'est vous entrez dans la vie active. La communication, je ne veux pas faire ancien combattant, mais moi, quand j'ai démarré dans la communication, il y a plusieurs années, je ne vous dirai pas combien, mais on était là pour le faire savoir. Ce qu'on nous disait à nos communicants, c'est de faire des belles plaquettes, de faire de beaux événements, de faire de beaux stands, etc. Là, l'enjeu, c'est qu'on s'est aperçu dans beaucoup d'entreprises que la communication, ce n'est pas faire savoir, c'est faire advenir quelque chose. On s'est aperçu de la fonction prédictive de la communication. Et ça, c'est majeur. C'est-à-dire que le communicant, il a vraiment un rôle d'innovation, d'avant-garde par rapport à son entreprise. Quand elle communique une entreprise, elle fait quoi? Elle s'expose. Donc, elle a aussi intérêt à être à la hauteur de ce qu'elle annonce, notamment dans ses engagements en matière de développement durable, parce que derrière, il y a aussi les associations de consommateurs, il y a les ONG qui sont là pour faire attention et pour titiller un peu l'entreprise. Donc, on voit que la question de la communication, elle est vraiment au cœur même de l'activité, parce que c'est elle, peut-être, qui peut faire advenir quelque chose de nouveau à l'intérieur des organisations. Absolument. Revenons sur le rapport. Donc, à la fin de ce rapport, vous avez donc écrit les 20 propositions
de ce projet de loi. Est-ce que, enfin, finalement, il y en a qui sont très concrètes. Moi, quand je les ai lues, je me suis dit, bah oui, c'est évident, il faut que ça change, etc. Je vous laisse, Thierry, les citer. Mais du coup, j'imagine qu'il y a quand même des réticences. Qu'est-ce qui est acceptable par les annonceurs, les agences, par tous les grands acteurs de la publicité, de la communication? Et qu'est-ce qui l'est moins ou pas du tout aujourd'hui? Alors, je peux pas répondre de manière très précise à cette question-là parce que les négociations vont démarrer la semaine prochaine. Donc, on sait que dans toute bonne négociation, les gens ne mettent pas leurs cartes sur la table immédiatement et ont plutôt intérêt à prendre des positions un peu extrêmes pour essayer, au fur et à mesure, d'essayer de trouver un consensus. Disons, il y a deux points qui sont très conflictuels. Qui ont été annoncés par d'abord un collectif d'ONG, Résistance à l'agression publicitaire, les émiliataires d'un côté, et puis un autre dispositif, un collectif d'une vingtaine d'ONG avec notamment Greenpeace, qui a proposé l'équivalent d'une loi E20 sur le climat. Donc la loi E20, c'était l'interdiction de la publicité sur les tabacs et alcool. C'est la même chose, interdire toute publicité sur les produits polluants. Donc à terme, ça veut dire on interdit la publicité sur les véhicules thermiques, sur les voyages en avion, en tout cas les voyages intérieurs, les bouteilles d'eau minérale plastique, etc. Donc quand même un chantier important. Ouais. Donc là, bien évidemment, tous les publicitaires sont contre. Les publicitaires sont contre, on peut le comprendre. Et là, ça fait quand même partie, enfin, quand on voit ce que dit la Convention citoyenne, c'est-à-dire quand même 150 citoyens tirés au sort dont l'objectif c'est comment lutter contre le dérèglement climatique, qui disent au final, après plusieurs mois de travail, il faut interdire la publicité sur les produits polluants, plus c'est dans les recommandations de la Convention citoyenne, sur toutes les publicités, avoir un bandeau, en avez-vous vraiment besoin? Alors, les publicitaires disent, mais il faut juste arrêter, c'est schizophrène. On ne peut pas dire à la publicité de faire son travail et d'être là pour essayer de vendre, et dans le même temps, de dire, mais réfléchissez bien avant de nous acheter, c'est quand même plus compliqué, ça peut avoir des impacts sur la planète, etc. Donc le sujet, là, on voit qu'il est assez compliqué. Enfin, en gros, tout ce qui tourne autour de l'alourdissement des mentions et des interdictions, c'est très conflictuel. Après, il y a des sujets sur lesquels on peut avancer. Alors, dans les sujets sur lesquels on peut avancer, il y en a un qui est hyper important et stratégique. C'est en fait le message que nous délivre la publicité. Je vais prendre un exemple. Quand vous voyez une publicité pour n'importe quel constructeur automobile, qu'est-ce que vous voyez à l'écran ? Vous voyez un homme seul, la quarantaine, un peu dominant, très heureux de faire des choses autour de lui. Si vous voyez une publicité pour un crédit à la conso, généralement, vous avez un pavillon de banlieue avec deux bagnoles. Les publicités pour lave-linge, la vaisselle, c'est très rare que vous voyez les machines pleines. Pour prendre un exemple qui est assez connexe au nôtre, la publicité sur les stéréotypes, le genre, je suis assez étonné de voir que plus de 80% de la représentation des experts, comment on représente un expert dans un clip à la télévision, c'est que des hommes. 80% des experts sont des hommes. Je veux dire, à un moment donné, il y a un problème quand même. C'est là, nous aussi. Ah oui, c'est en fait que nous délivre comme message un peu tacite la publicité. Et ça, je pense qu'on peut avancer. Je pense que les publicitaires et les annonceurs l'ont bien compris. Parce que c'est en fait là où on place le curseur entre la publicité qui pourrait être un obstacle à la transition écologique, d'une publicité qui, au contraire, pourrait être un levier parce qu'elle nous délivrerait, de manière consciente ou inconsciente, des messages qui nous diraient d'aller dans le bon sens. Donc ça fait partie des thèmes sur lesquels, là, j'ai un peu l'impression qu'on peut avancer. Heureusement, il y en a d'autres. Hein. Donc moi, dans mon rapport, j'ai fait une vingtaine de propositions. Au total, si on regarde l'ensemble des propositions qui sont faites avec la Convention citoyenne sur le climat, avec les rapports que j'ai cités, il y a une cinquantaine de propositions qui sont sur la table. Les négociations vont démarrer à la fin de la semaine prochaine, on verra. Moi, ma préoccupation, c'est que les gens qui sont autour de la table soient vraiment représentatifs du sujet.
C'est-à-dire qu'on n'est pas que des publicitaires ou des annonceurs, qui est aussi des associations de consommateurs, des ONG environnementales, des universitaires aussi qui connaissent bien le sujet, des académiques, parce que c'est comme ça qu'on pourra avancer. Je vais vous dire un truc. Moi, dans mes surprises, avec quand même un peu de guillemets, parce que je ne suis pas totalement naïf, c'est que je me suis aperçu que sur un domaine comme celui-là, qui pouvait apparaître assez conflictuel, alors bien évidemment, quand on est une association qu'on s'appelle Résistance à l'agression publicitaire, forcément ça peut effrayer, mais qu'en discutant avec les dirigeants d'une association comme celle-là, ben en fait, sans aucune démagogie, c'est des personnes qui sont hyper, hyper intelligentes. Et que leur rapport, par exemple, le rapport Bitcorpo qui est fait par Résistance à l'agression publicitaire les alimentaires, je vous conseille d'aller voir. C'est vraiment très bien fait, c'est très documenté. Après, on est contre, on fait son choix. Mais en tout cas, ça mérite de regarder. Il ne faut pas simplement rejeter en disant non, ils sont contre, ils sont radicaux, ça ne nous intéresse pas. Ben ça mérite la discussion. Et puis, de toute façon, quand on est dans un métier de communication, la moindre des choses, c'est quand même de commencer à se mettre autour de la table et de discuter, non ? Oui, c'est vrai. Il vaut mieux de nourrir le débat. Justement, si vous avez le lien de ce dont vous parliez, on pourra le mettre à la fin pour les jeunes diplômés qui nous regardent. On a deux questions, Thierry, très intéressantes d'ailleurs, de Romain. À juste titre, la publicité, l'achat média souffre de la crise. Comment légiférer sans pénaliser le secteur des agences ? Est-ce que finalement, on ne s'attaque pas en priorité à ce qui est visible et pas assez aux dispositifs digitaux, à savoir la data, qui d'ailleurs se trouve souvent aux États-Unis, puisque c'est les États-Unis avec les GAFA, comme vous le disiez en début de live, qui sont un peu les maîtres de la data. Rien à ajouter, sauf 100% d'accord. Le sujet, il faut vraiment y aller de manière... On ne l'a jamais traité vraiment sérieusement avant. Donc, si on le traite maintenant... Il ne faut pas y aller à la hache, il faut quand même un minimum d'attention. La question sur les recettes, elle est fondamentale, parce que le contexte actuel, on parlait du contexte au début, mais le contexte, c'est aussi l'écroulement de la publicité depuis la crise du Covid. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais je crois au mois d'avril, on a eu moins 40% de recettes pour la publicité. On est sur une tendance qui devrait être de l'ordre de moins 20% cette année, d'après les derniers chiffres que j'ai pu voir. Donc ça veut dire que le fait de voilà si on est dans l'alourdissement des mentions, des interdictions, etc., c'est la publicité, c'est quand même, d'après les études qu'on peut avoir, c'est ce qui nous donne la croissance. Hein. Un euro investi en publicité, c'est 5 à 7 euros de croissance derrière. La publicité, le secteur publicitaire en France, c'est plus de 130 000 personnes. Donc voilà, dans le contexte que nous vivons actuellement, faisons un peu doucement. Donc la question, elle est super pertinente. Et derrière ça, il y en a une autre. C'est-à-dire que ce n'est pas les recettes pour les publicitaires ou pour les entreprises. Parce que derrière ça, la publicité, c'est quand même ce qui fait vivre les médias. Et vous connaissez super bien le sujet. La presse écrite, la radio, la télé, c'est 30 à 50% de leurs recettes. Donc, si vous enlevez ça, bah, c'est des supports qui périclitent. Il faut toujours avoir en tête, pour les gens qui ont une certaine expérience, une certaine antériorité. Moi, j'ai le souvenir, on a parlé un moment de la loi Evin sur le climat. Quand il y a eu la vraie loi Evin, donc interdiction de publicité, tabac et alcool, bah, il y a quand même beaucoup de journaux. Moi, il y avait un journal dont j'étais fan qui s'appelait Actuel, journal un peu underground. Ah oui, j'adorais, oui. Voilà. Je n'ai pas connu, mais je vois très bien. Jean-François Bizot de Radio Nova, oui. C'est ça. Le journal a fait faillite après l'interdiction de la publicité tabac-alcool. Donc, il faut aussi penser que la publicité, c'est un vecteur de recettes pour les médias. Après, on peut interroger justement le mode de financement des médias, mais à l'heure actuelle, il y a une réalité, c'est que les médias vivent de la publicité. Oui, il ne faudrait pas qu'on soit dans un effet domino, en fait. Il faut vraiment y aller avec parcimonie, parce que de toute façon, il y a aussi derrière des lobbies puissants et ça ne va pas non plus se faire comme ça. Une autre question d'Antoine. Bonsoir. Antoine, pensez-vous que les annonceurs et les agences peuvent avoir un impact vertueux sur les modes de consommation responsables ou seuls l'État et les associations de consommateurs sont les seules entités à inciter les citoyens à changer ? Prévoir l'avenir, c'est un truc que je ne sais pas bien faire. En général, je me plante.
Mais j'ai quand même l'impression que les annonceurs, comme je disais tout à l'heure, il y a eu cette prise de conscience. Ce que je ne voudrais vraiment pas, c'est que justement ça vienne de l'État. Là, le sujet maintenant, au moment où on parle, c'est justement, est-ce que les annonceurs, les publicitaires, ont suffisamment pris conscience de l'intérêt pour eux de changer? Parce que, effectivement, ce que je pense, c'est que s'ils ne le font pas, ben les modifications, elles viendront de l'État, des pouvoirs publics, et elles risquent d'être beaucoup plus contraignantes que si eux-mêmes avaient pris les choses en main. Je vais prendre un exemple là aussi pour essayer d'être concret. Dans les choses que j'ai proposées dans mon rapport, et je l'avais déjà proposé il y a plus de 3 ans dans une note que j'avais fait sur publicité et transition écologique pour la Fondation Nicolas Hulot. J'ai proposé la création d'un fonds de compensation pour la publicité. Fonds de compensation, c'est je prends un pourcentage infime, 1%, 1% des dépenses de publicité en France. Les dépenses de publicité, c'est quoi? C'est 15 milliards. Bah, 1%, ça fait 150 millions. Bah, c'est pas négligeable. Parce qu'une particularité de la publicité, c'est que le ticket d'entrée à certains types de publicité, notamment la publicité télévisée, il est très élevé. Et quand on regarde la concentration, ben vous avez 10 annonceurs qui font presque un tiers du total des dépenses de publicité. C'est considérable, considérable. Donc, mon idée de créer un fonds de compensation, c'est dire, on prend un dispositif, on assure de la pérennité, parce qu'il y a beaucoup d'annonceurs à qui j'en ai parlé qui disent, ouais, mais attention, parce que si vous nous mettez 1% maintenant, il n'y a rien qui nous dit que ce ne sera pas 5% dans 5 ans, etc. Donc un truc qui serait vraiment sous contrôle des annonceurs, des publicitaires eux-mêmes, qui aurait la maîtrise de l'affectation de cet argent, qui servirait justement à encourager des startups innovantes dans le domaine, des coopératives, des associations, etc., pour faire passer des messages de publicité. Parce que moi, dans les choses, on n'en a pas parlé, je ne voudrais pas louper ça, parce que pour moi, le sujet, il est essentiel. Moi, je suis quelqu'un qui croit vraiment à l'impact du dérèglement climatique. Pour moi, le sujet, il est colossal et on n'en a pas suffisamment pris conscience. Si je regarde un peu ce que nous dit la publicité par rapport à ce que nous disent les associations, je vais être optimiste. Des messages qui vous incitent à avoir un comportement responsable, à avoir des éco-gestes, à avoir des attitudes citoyennes dans votre comportement quotidien. Vous en savez combien par jour? Allez, on va dire, en étant super optimiste, vous en recevez 3 ou 4. Ouais, c'est vrai. Des messages de publicité qui vous disent qu'ils font consommer, vous en recevez combien? Alors, en fait, selon les études, il y a plusieurs études qui ont été faites, selon les méthodologies, vous en recevez entre 400 et 3000. C'est-à-dire que 3000, c'est simplement le fait de voir des logos quand vous marchez dans la rue, etc. Mais il suffit de voilà, vous ouvrez un journal, vous voyez déjà allez, facile, une trentaine de publicités, et encore. Parfois beaucoup plus. Donc, tout ça pour dire que pour moi, le combat, il est déséquilibré. Parce que comment vous voulez faire que les messages de responsabilité viennent? Alors, vous en recevez 3-4, et d'un côté, vous en recevez 2000, 3000. Donc, le fait de travailler notamment sur des initiatives que peuvent avoir les entreprises ou des publicitaires, par exemple, à l'idée d'avoir une sorte de fonds de compensation dont ils auraient la maîtrise pour essayer de voir sur quel type de support on pourrait encourager des publicités, ben moi je trouve ça intelligent parce que ça pénalise pas le domaine, ça s'accompagne d'un travail sur les représentations publicitaires et puis ça permet à tous ceux qui ont des idées un peu innovantes pour promouvoir des comportements citoyens, ben d'avoir un accès, de se faire davantage connaître. Donc allons-y. Bah oui, allons-y. J'avais une autre question. Le principe de la publicité, enfin, on l'a déjà vu. D'ailleurs, ça rejoignait un petit peu la question que posait Romain, je crois, ou Antoine, je sais plus. Finalement, est-ce que vous pensez pas que si tout est régulé de la même manière que ça l'est aujourd'hui avec la loi E20, est-ce que vous pensez pas que ça aura quand même une incidence sur les métiers de la création, sur les concepteurs-rédacteurs, sur la direction artistique dans la publicité? Est-ce que ça ne va pas affecter en fait ces métiers-là qui sont justement essentiels à la forme et dans la publicité?
Au contraire, moi je pense l'inverse. Je pense que les contraintes n'empêchent pas la liberté. Parce que là, la liberté de création, je suis assez surpris. Enfin, tout à l'heure, on donnait des exemples. Moi, je trouve que toutes les publicités de bagnole, toutes les publicités de crédit, d'autres banques, etc., mais tout se ressemble. Tout se ressemble. Donc, je pense que le fait d'avoir un certain nombre de balises n'empêche pas un renouveau de la création, surtout que pour moi, ça permettra aussi à certains créatifs de retrouver un sens. Moi, je me dis, putain, ça ne doit pas être facile tous les jours d'être un créatif dans une agence de publicité, parce que à lire un certain nombre de briefs où on est tellement encadré, on dit tellement ce qu'il faut faire, etc., c'est affligeant. Donc là, au contraire, c'est redonner d'abord un peu plus de liberté aux créatifs, mais surtout de redonner un sens à son travail. Parce que, voilà, c'est-à-dire, créatif de demain, vous ferez autre chose que vendre des savons et autre chose. Peut-être vous pourrez participer à quelque chose de plus important. Ce sera évidemment pas facile, il y a encore du chemin, mais je pense vraiment que le fait de travailler notamment sur ces représentations, ça ne peut que bénéficier au travail publicitaire. Il y a un truc, par contre, excusez-moi, mais un truc qui est important, et là, j'ai un peu de réserve par rapport à certaines critiques qu'on entend beaucoup sur la publicité, c'est qu'il y en a beaucoup qui disent. Il faut pas que la publicité, elle nous raconte des salades en permanence. La publicité, elle est là pour informer. Moi, je suis un peu sceptique par rapport à ça, parce que la publicité, faut pas la confondre. C'est la différence entre justement la communication et l'information. Le rôle de la publicité, c'est pas de donner les caractéristiques d'un produit. C'est aussi de séduire, d'apporter du rêve, d'apporter des choses. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'il faut peut-être faire attention aux effets un peu collatéraux, mais pas demander aussi à la publicité de détailler seulement les caractéristiques du produit, parce que là, ce serait, à mon sens, le premier levier pour rendre la publicité un peu répulsive et qu'elle perde tout son intérêt. Oui, puis comme vous le rappelez, pardon, aussi dans le rapport, derrière la publicité, il y a aussi toute une économie de marché avec des gens qui travaillent vraiment pour vendre des produits. Donc l'idée, c'est que en fait tout cela s'articule et que la publicité continue à faire un peu rêver, même si il faut pas qu'elle devienne trop moralisatrice, quoi. En fait, c'est ça que vous voulez dire. Ah oui, surtout pas. Et puis là, vous avez peut-être vu que le Conseil de l'éthique publicitaire vient de faire un avis il y a quelques jours qui dit, OK, il ne faut pas non plus se tromper de combat. C'est-à-dire la publicité ne doit pas devenir le bouc émissaire de tous les problèmes, de tous les problèmes actuels. La publicité peut jouer un rôle, mais ce ne sera pas le levier essentiel pour réussir la transition écologique. Il ne faut quand même pas oublier le rôle de l'éducation, le rôle de la famille. Enfin, voilà, il y a plein d'autres organes. Ce n'est pas à la publicité de faire advenir un monde meilleur. La publicité, elle fait son job. On va essayer qu'elle le fasse bien, mais il ne faut pas non plus penser que c'est la publicité qui va résoudre tous ces problèmes-là. Une autre question, Thierry, de Sarah, qui nous dit, bonsoir Sarah, vous avez sûrement dialogué avec les acteurs de la filière communication. Quelle est leur position par rapport à ça? Ils sont plutôt attentifs, c'est-à-dire ils attendaient de voir comment les choses vont se préfigurer. Il y a eu un premier temps où justement ils étaient un peu défensifs parce qu'ils ne savaient pas très bien comment ça allait évoluer. Je pense qu'en tout cas, quand j'ai fait le rapport, les gens ont assez compris que c'était aussi dans leur propre intérêt. C'est-à-dire que l'idée, ce n'était pas d'aller justement dans des interdictions comme peuvent le réclamer certains. Donc on a plutôt eu au final un bon accueil. Moi, je suis étonné de voir le nombre d'initiatives qui sont en train d'être prises justement par les acteurs de la filière, de toutes les grandes associations. Si on veut être un peu concret là aussi et prendre des exemples, la principale association de publicité en France, c'est l'association des agences conseil en communication, la ACC, qui a organisé, qui vient de relever le niveau d'ambition pour décerner un label RSE aux agences de publicité. Ça fonctionne très bien. L'Union des annonceurs, qui s'appelle maintenant l'Union des marques, qui représente tous les annonceurs, travaille justement sur un programme sur nos représentations de la publicité, un programme de 15 engagements qui sont très précis avec un reporting. Il y a déjà 40 entreprises qui ont signé cet engagement. Il y a une association qui regroupe plus de 80 entreprises qui s'appelle Entreprises pour l'environnement, qui est présidée actuellement par le président de BNP Paribas, Jean-Laurent Bonnafé.
Donc voilà, tout le monde a pris en main le sujet. Il y a les états généraux de la publicité qui sont en train de se mettre en place également. Donc voilà, il y a cette prise de conscience. Le travail commence. Il faudra voir comment ça dure. Moi, d'un point de vue purement tactique, ce que j'ai envie, c'est qu'il y a de vrais résultats derrière. Donc, j'encourage aussi des initiatives comme France Nature Environnement, Résistance à la question publicitaire, parce qu'il faut les écouter, parce qu'ils nous titillent. On n'est pas d'accord, et moi, je ne suis pas d'accord sur beaucoup de sujets, mais en tout cas, merci à eux, parce que c'est eux qui font avancer la profession, c'est eux qui nous ouvrent un peu les yeux. Donc voilà, on verra le résultat. Il faut se donner rendez-vous maintenant en janvier de l'année prochaine, parce que donc il y a les tables rondes qui vont se mettre en place. Il y a un projet de loi qui va être en cours de préparation à la suite de ces tables rondes. Projet de loi qui sera discuté au Parlement à partir de l'année prochaine. En tout cas, c'est bien parce que c'est la première fois que le sujet de la publicité en tant que tel est pris en charge par le Parlement national. On voit qu'on a fait du chemin. Bah écoutez, vraiment, bravo pour tout ce que vous faites, Thierry. Décidément, ce sujet intéresse les jeunes actifs, les jeunes diplômés. Antoine a une nouvelle question. Ne craignez-vous pas que la multiplication de messages vertueux finalement brouille l'objectif et n'incite pas le consommateur à changer ses pratiques? Et de fait, comment est-ce qu'on peut rendre tendance les modes de consommation responsables? Je crois que c'est un point que vous avez abordé dans votre rapport. Il me semble que vous citez une enquête sur justement les comportements des consommateurs face à des messages trop vertueux. Oui, en fait, ça fait partie des choses qui sont super intéressantes. Non, mais surtout pas. Surtout pas. Évitons les messages moralisateurs. C'est le plus sûr moyen pour faire que personne n'a envie. Quand on travaille sur les messages, on sait ce qui ne marche pas. Les messages incantatoires, les messages techniques, les messages qui apparaissent trop distants, trop lointains. Par exemple, si je fais un lien avec le dérèglement climatique, moi je suis atterré de voir les messages que vous recevez. C'est moins 2 degrés à horizon 2100. Attendez, 2100, mais on est où là? Et si vous tapez dérèglement climatique sur Google Images, faites l'exemple là pendant qu'on part, mais revenez nous écouter. Ben, en fait, le premier truc que vous allez voir, c'est un ours polaire sur sa banquise. Non, le sujet, il faut mettre du concret, il faut mettre de la séduction, il faut mettre des choses qui nous donnent envie. Enfin, c'est tout le narratif qui est à reconstruire autour de la transition écologique. C'est l'idée de l'alarmisme, de la contrainte, des trucs lointains, etc. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est vrai que la publicité est bien là pour en témoigner. C'est les publicités qui donnent des leçons, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Donc voilà, c'est là où la communication publicitaire et la communication de sensibilisation à la lutte contre le réchauffement climatique ont des choses en commun. C'est qu'il y a un travail des messages qui est à faire. Merci Thierry. La dernière question, puisqu'il est déjà 8h moins 10, si jamais il y avait d'autres questions ensuite qui arrivaient, en tout cas moi, la dernière question que je voulais vous poser, c'est quel conseil vous pourriez donner à nos jeunes diplômés qui sont peut-être pour certains déjà dans la vie active, d'autres qui vont y arriver incessamment sous peu, pour justement qu'ils aient en tête tous ces enjeux, qu'ils puissent s'en servir dans le cadre de leur travail. Enfin, quel conseil vous auriez à donner? Alors, j'ai un conseil, mais je ne suis pas sûr qu'il faudrait que les gens qui m'écoutent doivent me suivre, parce qu'il est un peu dangereux. Le conseil que je leur donnerais, c'est ne pas écouter leur premier instinct qui est de travailler justement sur des choses qui peuvent apparaître vertueuses, citoyennes, etc. etc. Dans vos questions, vous me demandez est-ce que vous pouvez donner des exemples. Donc, on a cité un certain nombre de secteurs. Moi, je suis vraiment persuadé, pour connaître un peu le monde de l'entreprise, et des agences de pub, c'est que c'est vraiment de l'intérieur qu'on arrive à faire bouger les choses. Il y a encore beaucoup d'organisations qui ont l'impression que l'extérieur, c'est quand même un domaine à risque, que nos parties prenantes ne nous veulent pas toujours du bien, surtout quand elles nous critiquent.
Donc, c'est-à-dire que si on veut faire bouger les choses, bah, c'est peut-être aussi en faisant de l'entrisme, en pénétrant à l'intérieur de ces grandes organisations, qu'on pourra de l'intérieur peut-être plus facilement faire changer les choses. Alors, ça veut dire qu'il faut avoir une intégrité forte, avoir une éthique forte, il ne faut pas avoir le sentiment de se faire manipuler ou d'avoir un double langage. Mais ça veut dire, voilà, n'hésitez pas à prendre des entreprises qui peuvent vous apparaître comme des pollueurs ou diaboliques, etc. etc. Ce sera peut-être pas toujours très, très facile, mais je pense quand même que c'est à l'intérieur des organisations qu'on a le plus grand nombre de leviers pour faire bouger les choses. Donc ça, c'est peut-être mon premier conseil, que je pense être le seul à dire. Et puis sinon, c'est vraiment un encouragement parce que, comme on disait, voilà, s'il y a un moment dans l'histoire de la communication où ça bouge, c'est vraiment maintenant. C'est vraiment maintenant qu'on arrive vraiment à remettre du sens à l'intérieur de la fonction. On a vraiment passé l'époque du contrôle, de la communication un peu trop persuasive, manipulatoire. Les choses se remettent bien en place. Donc voilà, c'est juste un boulot formidable. Et puis tout le monde verra que la communication, comme on disait, c'est ce qui peut faire advenir des choses nouvelles et meilleures. Et c'est pas, vous avez de la chance, parce que nous, on n'a pas connu ça. C'est pas juste bien faire une claquette, bien faire un bon journal d'entreprise ou des choses comme ça. Donc, bravo à vous. Alors Thierry, une question de Laura. Est-ce qu'il y a des campagnes récentes qui vous ont marqué? Ça dépend positivement ou négativement? Ben, j'imagine positivement. Enfin négativement aussi, vous pouvez donner deux exemples, à la limite, un positif, un négatif. Un bon élève, un mauvais élève. En fait, dans ce qui m'a. Alors, en fait, je vais trancher la poire en deux, parce que c'est ni positif ni négatif, mais c'est la campagne qui m'a le plus fait réfléchir. Elle est assez récente, elle date de 15 jours, 3 semaines. C'est une publicité pour un vélo électrique d'un constructeur, je crois, néerlandais, qui s'appelle VanMoof. Et je ne sais pas si vous l'avez vu ou si vous pouvez la voir. La publicité, elle est très belle, elle est vraiment très, très belle. Et elle a été interdite en France. Et en fait, j'arrive pas à savoir si c'est à raison ou pas, parce que on voyait vraiment la promotion du véhicule électrique, mais ça se faisait vraiment de manière très manichéenne, c'est-à-dire le vélo électrique, c'est super, etc. Et les véhicules thermiques, c'est la honte de l'humanité, et puis les pots d'échappement qui polluent, etc., etc. Et en fait, on voit que quand on veut même promouvoir des choses sur lesquelles on est tous d'accord, tout le monde est d'accord pour promouvoir le vélo électrique, mais il faut peut-être faire aussi attention aux arguments parce qu'on peut se faire rejeter, on peut créer des polémiques et au final avoir un effet boomerang et les messages se retournent contre vous. Donc, c'est en fait. Alors, je n'ai pas répondu à votre question, mais ça montre qu'entre la bonne communication qui peut être intéressante et puis le retour sur image et les résultats, ben en fait, la boucle est peut-être parfois un peu compliquée. Merci Thierry. Une question également, est-ce que vous pourriez peut-être nous donner enfin nous dire quel pays selon vous est vraiment exemplaire en la matière quand ce qui concerne la publicité responsable? Alors, les pays scandinaves sont assez en avance, mais c'est pas une question de régulation. C'est aussi parce qu'ils ont compris, peut-être parce que la population est plus sensibilisée. Donc, on a des choses plus intéressantes peut-être au niveau du contenu des publicités. Au niveau des dispositifs de régulation, on a deux pays. Alors, ils sont sortis avec le Brexit. C'est l'Angleterre et l'Allemagne. D'ailleurs, c'est deux pays parmi l'ensemble des pays européens. Reçoivent, parce qu'on voit que du coup la population fonctionne et participe au dispositif, plus de 70% des plaintes qui sont faites sur des campagnes de publicité, elles sont uniquement en Allemagne et en Angleterre. Donc, vous voyez ce qui reste pour l'ensemble des autres pays, c'est-à-dire que les gens comprennent qu'ils ont aussi un rôle. Donc, c'est aussi un message que je veux faire passer à ceux qui nous écoutent, c'est que si vous voyez une publicité que vous considérez pas normale, elle vous choque. Eh ben, ça vous coûte rien, vous le faites en moins de 3-4 minutes,
vous allez sur le site du jury de déontologie de la publicité, vous avez un formulaire, vous présentez vos arguments, vous l'envoyez, et puis 15 jours après, ben, on vous annonce que votre plainte, elle est recevable ou pas. Donc, pas besoin d'avocat, pas besoin de dépenses, etc. Tout le monde peut réagir par rapport à une publicité. Et moi, j'encourage beaucoup ça, parce que c'est comme ça qu'on arrivera à faire changer les choses. Ok, écoutez, sauf s'il y a d'autres questions, je pense qu'on va conclure. Sauf si vous avez une dernière chose à rajouter, Thierry, peut-être pour le mot de la fin, un dernier message à passer à nos jeunes diplômés. Tout va bien. Donc, vous avez fait passer un certain nombre de messages. Un grand merci à tous ceux qui nous ont suivis ce soir. C'était vraiment très intéressant. Merci beaucoup, Thierry. Pour votre action, votre engagement et de nourrir nos réflexions, parce que c'est vrai qu'on est dans un monde qui va très vite et parfois on oublie un peu de se poser, de se demander ce qui fait sens, même si je pense que de plus en plus on a ce genre de réflexion qui s'invite dans nos têtes. Donc merci à vous. Je vous souhaite bonne chance pour la suite. Est-ce qu'il y a des réseaux sociaux où on peut vous suivre? Est-ce qu'il y a des choses à savoir pour continuer à suivre votre activité? Le plus simple pour moi, c'est mon compte Twitter. D'accord. Thierry LT. Pardon? Thierry LT. Donc, okay, on pourra le mettre. Thierry est premier derrière, mais bon, on peut le mettre. Sinon, vous tapez Thierry Libar sur Twitter et vous allez trouver mon compte. Très bien. Et je rappelle du coup à tous ceux qui nous ont suivis ce soir que le prochain live ISEGUP, donc dans le cadre du programme ISEGUP, sera le 24 septembre avec Frédéric Bedin, qui est donc le directeur général et le président directeur du groupe Hopscotch. Et le thème sera la filière événementielle à l'heure de la crise sanitaire, donc également un sujet passionnant. Donc je vous donne rendez-vous le 24 septembre à 19h comme toujours. Un grand merci à tous. Merci Thierry.